Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Voilà, que Dieu te bénisse, toi qui es connecté pour ce live. Alléluia, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, le Seigneur est fidèle. Alléluia, nous ne cesserons de le dire. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous. Et partagez le direct au maximum. Partagez le direct massivement. Alléluia. Partagez le direct massivement. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Connecte-toi et partage le direct, s'il te plaît. Amen, amen. Connecte-toi et partage le direct, s'il te plaît. Connecte-toi et partage le direct. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, merci pour le renouvellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te suis encore reconnaissant maintenant et je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis tous ceux qui sont connectés. Bénis tous ceux qui vont partager ce live. Bénis tous ceux qui vont suivre en différé. Et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Partage le direct, bien-aimé, s'il te plaît. Partage-moi ce direct. Alléluia. Invite quelqu'un à être connecté, s'il te plaît. Partage-moi ce direct. Partage le direct. Amen. Vous savez, Dieu est fidèle. Et quand le diable voit la fidélité de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, il multiplie ses attaques. C'est-à-dire, quand le diable vient, et il constate que, c'est-à-dire, il voit la sécurité de Dieu en toi. Il multiplie ses attaques. Voilà pourquoi vous allez voir plusieurs enfants de Dieu dire, oh, vraiment, prophète, j'ai encore été plus attaqué cette nuit. Vraiment, j'ai encore été plus persécuté. J'ai encore, alléluia. Parce que le diable a vu la protection de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi il multiplie les attaques. Amen. Voilà pourquoi il multiplie les attaques. Donc, s'il te plaît, partage-moi ce direct, invite quelqu'un. Alléluia. Personne n'est épargné dans cette affaire. Même les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont les personnes même les plus persécutées, les plus attaquées. Alléluia. Ce sont des personnes les plus persécutées et les plus attaquées. La preuve en est que depuis que j'ai cru en Jésus, c'est vrai, quand j'étais dans le monde, j'étais persécuté. Alléluia. Mais depuis que, par la grâce de Dieu, j'ai commencé le service de Dieu, les persécutions, on voit même crippler, quoi. Alléluia. Et avant, je ne comprenais pas ces choses. Et le Seigneur a fini par m'enseigner et me faire comprendre que c'est normal. Alléluia. Chaque fois que Dieu te renouvelle, chaque fois que Dieu double, alléluia, sa protection en toi, tu seras persécuté. Que personne ne te dise le contraire. Tu seras persécuté. Alléluia. Donc, partage-moi le direct, s'il te plaît. Partage le direct. Invite quelqu'un, invite quelqu'un, dis à quelqu'un, alléluia, que nous sommes connectés pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mets les cœurs et partage-moi ce direct. Alléluia. Mets les cœurs et partage-moi ce direct pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. La Seigneur, merci pour tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Merci pour tous ceux et toutes celles qui vont partager ce direct pour bénir plusieurs personnes. Alléluia. Merci pour ta bonté dans leur vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que pendant qu'ils partagent, alléluia, Seigneur, tu les visites et tu les bénis par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu les bénis et tu les restaures par ta grâce. Alléluia. J'ai une révélation à partager avec vous. J'ai une révélation à partager avec vous. Alléluia. Connectez-vous, s'il vous plaît. J'ai une révélation à partager avec vous. Amen, amen. Connectez-vous. Je ne vous vois pas. Je vais lire les premiers commentaires. Amen. Je vais lire les premiers commentaires. Que Dieu bénisse Céline Nordine, d'autant pour moi, qui est connectée. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Tous ceux qui sont connectés, je vais essayer de lire les commentaires. Alléluia.
Tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. On a qui est connecté? On a Sidonie Boto, que Dieu te bénisse. Sandrine Agosodo, que Dieu te bénisse. Géraldine Biz, que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà. S'il vous plaît, partagez le direct. Invitez quelqu'un. Amen. On a une révélation à partager. Alléluia. Vous savez, je vous dis la vérité, la grâce de Dieu est sur la nouvelle génération. Amen. Que personne ne vous trompe. Il y a une grâce exceptionnelle de Dieu que j'ai vue sur la nouvelle génération. Et cette grâce de Dieu est, c'est-à-dire, nous voyons ça se manifester. Et comme le diable connaît toutes ces choses-là, amen, il a multiplié ses attaques, il a multiplié ses agents contre les enfants de Dieu. Alléluia. Allô, Chou? Oui, c'est comment? Ça va et toi? Ça va, ça va. C'est comment? Tu es parti pour l'école de Jimmy Mala? Oui, je suis allé, mais là, je suis en allé au sport, là. Tu peux au sport, ok. Oui, là, je vais à la salle. Ok, ok. Et tu le rendez-vous pour, oui, par rapport à Jimmy Mala pour l'école, tu pars ou pas? Non, non, je ne pourrais plus parce que hein, si c'est 13h20, à 13h20, je ne pourrais pas. Ok. D'accord. Je vais aller demain. Préviens, il faut. Donc, après 20 ans, je serai en train de finir à la salle et puis il faut que j'aille. J'ai pas compris. Après 20 ans, je serai encore à la salle. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Bon sport. Moi, je suis en direct là. Donc, du coup, je rentre demain. Tu sais, non? Ok. Ok. À quelle heure? Ben, demain. Non, 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 non. Normalement, je devais rentrer demain, mais j'ai d'autres choses à faire. Je vais encore dormir, donc je rentre après demain plutôt, donc vendredi matin. Mais demain c'est vendredi? Ah ouais, demain c'est vendredi. Et demain, soir, on doit voyager pour Paris. Ah bon? Waouh! Ben, bien sûr. Est-ce que je pourrais pas. Non, non, ouais. Demain c'est vendredi et demain, soir, on voyage pour Paris. Ok, je rentre demain matin alors. Ok. Ok, que Dieu te bénisse. À tout à l'heure. Bon sport, maman prophétesse. Merci. Ok, shalom. Ok, alléluia. Voilà, excusez-moi, je parlais avec maman patience. Partage le direct, s'il te plaît. Partage le direct. Alléluia, partage le direct. Moi, j'ai voyagé, j'ai voyagé pour la mission, pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous savez, ça c'est un travail que, avant, je ne savais pas que c'était comme ça. Hein. Je ne savais pas que c'était comme ça. Donc, bien aimé, je vais partager une révélation avec vous. Alléluia. Et je veux que tu partages ce direct. Vraiment, tous ceux qui obéissent et qui partagent le direct, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans une phase où le diable connaît la sécurité que la nouvelle génération porte et les ambitions de Dieu pour la nouvelle génération. Ce qui fait qu'il a multiplié ses attaques. Alléluia. Il a multiplié ses attaques. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention, ne pas confondre, alléluia, ne pas confondre les choses, mais continuer à avoir confiance en Dieu. Quelles qu'en soient les persécutions, quelles qu'en soient les attaques, alléluia, sachez que Dieu est avec vous et que Dieu vous connaît. Vraiment que cette pensée, alléluia, de savoir que Dieu est avec vous ne vous échappe jamais. Alléluia, que cette pensée ne vous échappe jamais. Donc, dans une révélation, le diable, parce que le thème de la révélation que je vais donner, c'est un mandat d'arrêt qui a été lancé contre moi. Amen. Il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre moi. Vous savez, moi, je suis innocent dans ces choses-là. Alléluia. Et pour moi, je dis toujours, c'est Dieu qui m'a mis dans cette situation, dans les problèmes, en fait. Mais ce sont des bons problèmes. Parce que, en réalité, c'est la cause de Jésus-Christ. C'est la cause, voilà. C'est pour gagner les âmes. Donc, ce sont les bons problèmes. Donc, s'il fallait être encore dans ce genre de problèmes dans lesquels Dieu m'a mis, alléluia, même 20 fois, je serais content. Parce que en même temps, le Seigneur sait qu'il te met dans les problèmes et en même temps, il s'assure et il se rassure de ta protection. C'est ce que j'aime avec Dieu. Donc, Dieu, c'est pas le genre de personne qui vient, il te met dans les problèmes et il se retire comme le diable. Et il dit, tu vas te noyer là-bas. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu te met dans les problèmes, il se rassure que dans ces problèmes-là, tu vas t'en sortir. Et ça a été le cas pour moi. Je n'avais jamais demandé à Dieu à être prophète.
Alléluia. Jamais. Je ne rêvais même pas être un serviteur de Dieu. C'est-à-dire, moi, j'étais dans mon désordre avant. Je fumais ma cigarette, je buvais ma bière, j'avais mes copines par-ci, par-là. Alléluia. Je faisais ma vie comme tout jeune qui ne connaît pas Christ. Amen. J'étais dans un désordre total jusqu'à ce que le Seigneur m'apparaît et m'appelle à son service. Alléluia. Donc, vous voyez que le diable se plaisait dans la situation dans laquelle j'étais avant. Voilà pourquoi vous allez voir, certaines personnes disent que, oh, pourquoi les chrétiens sont toujours persécutés et les païens sont en paix? Les païens n'ont pas de problème. Alléluia. Même Salomon s'est posé cette question dans le livre d'Ecclésiaste. Alléluia. Il s'est posé cette question que pourquoi le méchant prospère et le juste est toujours abandonné? Alléluia. Il s'est posé cette question. Et j'ai interrogé Dieu également à ce sujet. Et Dieu m'a donné une révélation propre à ce sujet. En ce qui concerne les saintes écritures, Dieu m'a parlé clairement sur ça et j'ai compris pourquoi. La première des choses que je vais partager avec vous par rapport à ce que le Seigneur m'a dit, m'a enseigné, alléluia, en ce qui concerne ce passage, parce que beaucoup certainement comme vous, comme Salomon, se sont posé cette question, oh, pourquoi le méchant prospère et pourquoi le juste est souvent abandonné? Pourquoi ce sont les païens qui ont les grandes richesses de la terre et les enfants de Dieu sont toujours derrière et toutes ces choses-là? Pourquoi le diable ne persécute pas aussi ceux qui font le désordre? Vous voyez, quelqu'un, c'est un grand bandit, mais il n'est pas persécuté par Satan. Satan le laisse en paix et tout ça. Et j'ai demandé à Dieu de m'enseigner sur ça. Et le Saint-Esprit, par sa grâce, m'a enseigné et m'a fait comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Vous devez tout simplement comprendre que Satan ne combat pas Satan. Est-ce que quelqu'un comprend? Satan ne combat pas Satan. Vous n'allez jamais voir Dieu persécuter ses enfants. Jamais. Ça ne vraiment jamais. Jamais. Vous n'allez jamais voir Dieu se lever et persécuter ses enfants. C'est la même chose du camp de l'ennemi. Vous n'allez jamais voir Satan se lever et persécuter un sorcier. Jamais. Pourquoi? Parce que le sorcier fait déjà la volonté de Satan. La volonté de Satan, c'est de faire du mal aux gens. La volonté de Satan, c'est de blesser les gens. La volonté de Satan, c'est de frustrer les gens. La volonté de Satan, c'est de haïr les gens. La volonté de Satan, c'est de détester les gens. La volonté de Satan, c'est de voler, de piller, d'égorger. Alléluia. C'est ça la volonté de Satan. Voilà pourquoi tous ceux qui sont soumis à cette volonté de Satan ne sont pas attaqués par Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous allez voir, quand moi j'étais dans le monde, par exemple, je faisais mon désordre et Satan était content de moi. Satan était fier de ce que je faisais. Comme vous voyez aujourd'hui, plusieurs artistes mondains, ils sont là, ils font leur show et Satan est content de ça. Ils font leur show, ils prospèrent, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème comme les enfants de Dieu. Ils ne sont pas attaqués spirituellement. Alléluia. C'est tout simplement parce que Satan est d'accord avec ce qu'ils font. Vous ne verrez jamais Satan venir persécuter un féticheur. Vous ne verrez jamais Satan venir persécuter un voleur. Vous ne verrez jamais Satan venir persécuter les gens qui font dans la fornication. Vous ne verrez jamais Satan venir persécuter les gens qui sont dans l'adultère. Ils sont pleins là dans le monde entier. Les prostituées, les gens qui sont dans des choses bizarres, mais qui sont en paix et qui prospèrent financièrement. Alléluia. Parce que ils font la volonté de Satan. Donc Satan ne viendra jamais les persécuter. Parce qu'ils sont dans la volonté de Satan. Alléluia. Satan se lève contre ceux qui sont contre sa volonté. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ceux qui sont contre la volonté de Satan, ce sont les enfants de Dieu. C'est-à-dire, moi, toi qui m'écoutes, alléluia, nous sommes du royaume, nous sommes des fils de Dieu, bien-aimés. Hein? Vous êtes des filles et des fils de Dieu. Donc Satan se lève contre ceux qui sont contre la volonté de Dieu, parce que les fils du royaume sont contre la volonté de Satan. C'est-à-dire, quelqu'un comme moi, comme ça, je sais que ma Bible m'enseigne que je ne dois pas voler. Alléluia. Et je me bats à ne pas voler. Ma Bible m'enseigne que je ne dois pas commettre la fornication. Et je me bats à ne pas commettre la fornication. Ma Bible m'enseigne à ne pas commettre l'adultère. Et je me bats à ne pas commettre l'adultère. Ma Bible m'enseigne de ne pas insulter les gens. Et je me bats à ne pas insulter les gens. Ma Bible m'enseigne de ne pas détester les gens, d'aimer mon prochain.
et je me bats à le faire. Ma Bible m'enseigne de dire la vérité et je me bats à dire la vérité par la grâce de Dieu. Et quand je me bats par la grâce de Dieu à faire toutes ces choses qui sont la volonté de Dieu, Satan se révolte contre moi. Alléluia. Parce que je fais la volonté de Dieu. Mais si je commence à détester Dieu, à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, Satan sera maintenant pour moi et vous ne verrez jamais Satan venir me persécuter. C'est ça le problème. Alléluia. Et c'est malheureusement ce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. Satan ne se lève jamais contre ceux qui font sa volonté. Mais il se lève contre ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, je t'ai donné cette révélation. Ne te pose plus jamais la question pourquoi tu es persécuté. C'est normal. Pourquoi tu es toujours attaqué. C'est normal. Parce que tu fais la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu es toujours persécuté, attaqué. Parce que tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu, parce que tu es au service du Dieu qui t'a appelé. Amen. Maintenant, il y a autre chose, c'est que j'ai eu une révélation, c'était quand? Ça fait peut-être 3 jours aujourd'hui, ou 2 jours, si je ne me trompe pas. J'ai eu une révélation comme, Dieu m'a montré comme dans une vision. Et dans cette vision, j'ai vu comment Satan envoyait les démons pour venir m'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien. J'ai vu comment Satan, le diable, il a envoyé les démons pour venir m'arrêter. C'est-à-dire, dans la vision, j'ai vu, il a lancé comme un mandat d'arrêt contre moi dans le monde des ténèbres. Et dans la vision, je voyais comment les démons là sortaient des ténèbres. Ils sortaient des ténèbres et je les ai vus venir comme sur la terre pour me chercher. Est-ce que vous comprenez? Ces démons, ils sont sortis des ténèbres et ils sont venus comme sur la terre. Et je les voyais avec les torches pour me fouiller. Quand je parlais des torches, ils avaient des choses, je ne sais pas si c'était la torche, mais ils avaient des goudins, des épées, ils avaient des choses, ils étaient armés et ils étaient sur la terre en train de me chercher. Et j'entendais dans l'esprit comment ils disaient, le prophète là est où? Nous cherchons le prophète. Il est où? Et j'étais là, à côté de ces démons, mais ils ne me voyaient pas. C'est-à-dire, j'étais là comme ça. Ils étaient en train de me chercher, mais ils ne me voyaient pas. J'étais à côté d'eux, j'étais en face d'eux. Moi, je les voyais, mais ils ne me voyaient pas. Et dans la vision, le mandat que Satan avait déposé contre moi, c'est-à-dire dans le monde des ténèbres, alléluia, c'était comme quoi le démon qui va parvenir à m'arrêter aura une prime. Donc, il aura comme une prime, en fait. Donc, le démon qui va parvenir à me faire tomber, il aura comme une prime. Dans le monde des ténèbres, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est ce que Satan a promis aux démons. Alléluia. Et j'ai vu les démons se précipiter sur la terre. Et quand ils sont arrivés sur la terre, ils ont commencé à me chercher de partout sur la terre. Ils me cherchaient en disant, le prophète là haut, le prophète là haut, il est où, il est où. Ils étaient en train de me chercher. Mais j'étais au milieu d'eux, mais personne ne me voyait. Et c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, que moi, vraiment, c'est Dieu qui m'a mis dans ces problèmes-ci. C'est la première fois que j'ai une révélation comme ça. Alléluia. J'ai souvent des révélations où je vois comment les démons cherchent à me persécuter et tout ça. Mais jamais je n'avais vu où Satan met un mandat d'arrêt contre moi. Alléluia. Où Satan met un mandat d'arrêt contre moi. C'est-à-dire, il envoie les démons pour aller me chercher, pour aller m'arrêter, pour aller me tuer. Alléluia. Il envoie les démons. Donc actuellement, comme je parle, il y a une garnison de démons. Alléluia. Il y a un groupe de démons. Alléluia. Qui sont sur la terre pour me chercher, selon le mandat que Satan a lancé contre moi. Alléluia. Il y a un grand groupe de démons. Ils étaient nombreux. Ils étaient en train de me chercher. Mais je bénis Dieu parce que vous cherchez quelqu'un, il est au milieu de vous, mais vous ne le voyez pas. C'est-à-dire qu'en même temps, Dieu qui m'a mis dans cette situation me protège en fait. C'est-à-dire que Dieu m'a voilé aux yeux de ces démons. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment, et ils me cherchent, mais je suis au milieu d'eux, mais ils ne me voient pas. C'est-à-dire que Dieu m'a voilé à leur sujet. C'est-à-dire que Dieu les a aveuglés, ils ne peuvent pas me voir. Alléluia. Oh, je suis là, je suis au milieu d'eux, mais ils me cherchent, mais ils ne me voient pas. Pourquoi? Parce que Dieu m'a voilé à leurs yeux. Dieu les a voilés d'autant pour moi. Dieu les a voilés. On dit ça comment? Dieu m'a voilé. Oui, Dieu m'a voilé à leurs yeux.
Il a dit, je suis dans un voile spirituel où eux, ils ne peuvent pas me voir. Mais moi, je peux le voir. Mais eux, ils ne peuvent pas me voir. Il a dit, je suis caché dans le sang de Jésus. Le voile dont je parle, c'est le sang de Jésus. Donc, je suis caché dans ce sang de Jésus. Alléluia. Donc, moi, je peux voir mes ennemis, mais mes ennemis ne peuvent pas me voir. Pourquoi? Parce que moi, je suis caché dans le sang de Jésus. Et j'ai tout simplement compris que la protection de Dieu est réelle, bien-aimé. Alléluia. Parce que je ne comprends pas comment dans la vision, il me cherchait en appelant mon nom, que le prophète là est où? J'entendais tout ce qu'il disait. Je le voyais s'agiter, comment il me fouillait partout sur la terre. Mais il ne me voyait pas, bien-aimé. Mais il ne me voyait pas. Il y a un mandat d'arrêt qui a été fait contre moi. Et ça, pourquoi? Parce qu'on a commencé les cultes en présentiel. Vous comprenez? C'est-à-dire que, parce que vous savez, moi, je suis un jeune serviteur de Dieu. Je viens à peine de commencer le ministère. J'ai commencé le ministère, pour ceux qui savent ça, le Seigneur m'a appelé en 2021. Et depuis 2021 jusqu'à maintenant, jusqu'au jour où on a commencé la veillée de la prophétie, moi, je faisais seulement les directs via les réseaux sociaux. C'est-à-dire, j'étais connecté avec les gens via Internet, Facebook, WhatsApp, comment on appelle, YouTube, Zoom. Voilà comment je priais avec les gens. Je n'avais jamais fait un culte en présentiel. Alléluia. Jamais, jamais. Et pour avoir moi-même la salle où on est maintenant, là, c'était un combat. Mais on a gagné parce que c'est Dieu qui nous a envoyés là-bas. Alléluia. Parce que c'est une salle qui appartient à des hommes de Dieu, des Français. Et ils ont commencé à me dire qu'ils veulent mes diplômes de théologie. Et là, que moi, je n'ai pas fait d'école de théologie. Ils disent que, mais tu fais le ministère comment? Tu n'as pas fait d'école de théologie. Toi, tu fais le ministère comment sans école de théologie? Alléluia. Ils disent que, mais tu as été appelé comment? Ils ont failli me refuser la salle parce que je n'avais pas présenté un diplôme de théologie. Ils disent que, mais tu as été formé comment? Qui te forme? Et tout ça. Et à la veille, ils avaient écouté mes enseignements. Alléluia. Et c'est un peu. Ils étaient étonnés que, mais comment tu fais l'église comme ça et tu n'as pas d'école de théologie? Tu n'as pas fait d'école de théologie. Ils étaient étonnés. Ils ont failli me refuser la salle parce que c'était un groupe de pasteurs. Ils ont failli me refuser la salle parce que je n'ai pas fait d'école de théologie, parce que je n'ai pas apporté de diplôme pour leur montrer que j'ai fait telle formation pastorale. Alléluia. Ils ont failli me refuser la salle. Et dans mon esprit, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as vraiment montré la vision qu'on aura la salle-ci, que ta volonté soit faite. Et ils sont allés, ils ont dit qu'OK, ils vont aller se concerter avec avec leur groupe, parce que c'est un groupe de pasteurs. Alléluia. Ils ont dit, ils vont aller se concerter. Amen. Ils vont aller se concerter. Et ils se sont concertés. Il y avait ceux qui étaient contre moi et il y avait ceux qui étaient pour moi. Et pour finir, le Seigneur nous a donné la victoire et nous avons pu avoir la salle. Alléluia. Nous avons pu avoir la salle. Parce que Dieu m'avait montré en vision que c'est là-bas qu'on doit commencer les cultes. Alléluia. Dieu m'avait montré ça dans une vision, que c'est là-bas qu'on va faire l'église pour le moment. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que à la fin, oh, j'ai gagné le procès et on m'a donné la salle. Spirituellement, le Seigneur est intervenu pour moi. Alléluia. Donc, ce que je veux dire, c'est que quoi, bien-aimé? Écoutez-moi très bien. Écoutez les choses de l'esprit. Vous comprenez? Ça, c'est dû parce qu'on a commencé en présentiel. Parce que vous savez que les cultes en présentiel sont souvent. Parce que là, tu as la personne sur qui tu prophétises en face de toi. Et le premier dimanche qu'on a fait le culte, le Seigneur m'a montré quelqu'un sur qui il y avait un décret de mort qui était signé contre cette personne. Il y avait un cercueil derrière cette personne. La vidéo est là pour ceux qui ont regardé le culte de dimanche passé. J'ai prophétisé sur cette personne et j'ai dit que je vois un cercueil derrière toi. Et la personne, en venant, le diable avait paralysé ses pieds. Mais la personne m'a appelé hier parce que la personne est nouvelle, la personne voulait même recevoir son baptême. La personne m'a appelé hier pour me demander comment elle peut faire pour recevoir son baptême. Et la personne m'a raconté son témoignage, comment après la prière de dimanche, là, la personne s'est sentie bien, même la maladie, tout le corps était redevenu normal. Alléluia. Donc, vous voyez que quand on fait les cultes en présentiel, c'est un autre niveau spirituel. Donc, j'ai compris. Je ne savais pas, hein, parce que vraiment, moi, les choses de Dieu, c'est Dieu qui m'enseigne. Elle a dit, chaque fois que j'avance avec Dieu, c'est Dieu qui m'enseigne. C'est ça que je dis souvent aux gens, que c'est Dieu qui m'a engendré dans le ministère. Les gens disent que c'est l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas un homme qui m'a prêché l'évangile. Je ne sais pas comment il va vous expliquer ça pour que vous compreniez. Ce n'est pas l'orgueil.
Dans le ministère, c'est Dieu qui est mon père. Ce n'est pas l'orgueil. C'est un fait, c'est une réalité. Je ne suis pas passé par un homme pour me former dans le ministère. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça. Alléluia. Moi, j'ai cru en 2016 au Cameroun. Hein? Je suis quitté au Cameroun parce que où j'ai cru, j'ai fait peut-être 6 mois là-bas. Je n'ai pas duré là-bas. J'ai fait maximum entre 5 ou 6 mois. Et quand j'ai quitté là-bas pour venir en Europe, depuis que je suis venu en Europe, en 2021, ici en Europe, le Seigneur m'apparaît en vision et me dit, tu fais partie des 100 prophètes que je m'étais réservé. Après, Dieu vient encore et me dit, je t'ai établi un autre jour, toujours en 2021. Quelques mois plus tard, le Seigneur m'apparaît encore, il me dit, je t'ai établi prophète de la nouvelle génération. Et c'est un décret qui a été signé dans le ciel. Voilà ce que Dieu me dit. Alléluia. Et c'est dès cette vision que j'ai commencé à prophétiser. C'est après ça que j'ai commencé à voir la voix dans l'esprit. C'est après ça que j'ai commencé à voir les choses sur les gens. Alléluia. En commençant même sur mes propres enfants. Amen. Donc, il faut comprendre que c'est un peu comme ça que on travaille avec le Seigneur. Alléluia. Donc, ce qui se passe, c'est que ce mandat d'arrêt qui a été fait, la chose dans la... Donc, ce qui m'a surpris, en fait, c'est que j'étais au milieu de mes ennemis. J'étais au milieu des démons qui avaient été mandatés par Satan contre moi. Alléluia. J'étais au milieu d'eux, mais personne ne me voyait. J'ai compris encore combien il est important, alléluia, de servir Dieu et de faire confiance à Dieu. La confiance en Dieu, bien-aimé. Alléluia. Dans les cultes dominicaux que nous avons commencé en présentiel, si, je sais que ça va m'amener à un autre niveau de persécution. Mais comme j'ai dit toujours, je meurs avec Jésus. Quels qu'en soient les mandats d'arrêt qui seront contre moi dans le monde des ténèbres, je ne cesserai pas de servir Dieu. Je ne cesserai pas de prophétiser. Alléluia. Nous irons de gloire en gloire. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Et nous allons, par la grâce de Dieu, impacter et délivrer tous ceux qui sont retenus captifs dans le monde des ténèbres, afin qu'ils aient connaissance de la parole et qu'ils bénéficient de la grâce de la guérison, de la grâce de la paix, de la grâce de la restauration, de la grâce de la santé et de tout ce qui les empêchait, alléluia, voilà, d'être en paix dans leur vie naturelle. Amen. Donc, bien-aimé, je t'invite, toi, tu es mon invité. Vraiment, je t'invite à nos cultes dominicaux. Dimanche, alléluia, on commence à 12h30. Alléluia, la Grèce, c'est 133 route de la Reine, Bouillon-Billancourt, dans le 92. Alléluia. Donc, pour tous ceux qui veulent la Grèce, je vais épingler ça après, là, sur le truc, sur la page du direct. Donc, si vous êtes à Paris et dans ses environs, nous vous invitons massivement. C'est là où j'ai compris combien de fois il faut encore bien persévérer, même dans les cultes dominicaux. Là, c'est-à-dire, on ne va pas se décourager. Vous imaginez que moi, je voyage Lyon pour Paris tous les week-ends. Alléluia. Tous les week-ends, je voyage Lyon pour Paris. Seulement pour aller donner le culte. Je m'en vais loin là-bas à Paris. Seulement pour aller donner le culte et rentrer chez moi. Alléluia. Seulement pour aller donner le culte. Tous les week-ends. Alléluia. Vous imaginez ça? Tous les week-ends. Lyon-Paris, vous connaissez la distance? Alléluia. En train, vous savez combien d'heures de temps ça met. En bus, vous savez combien de temps ça met. En voiture, vous savez, il n'y a pas de petites heures. Que ce soit en train, en bus ou en voiture, il n'y a pas de petites heures. Les heures sont toujours beaucoup, bien-aimés. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose d'une heure de temps ou de 2 heures de temps, non. Alléluia. Des fois, quand on est allé à Paris, on a mis combien d'heures? On a mis combien? Oh, c'est 6 heures de temps, hein? Alors, on avait voyagé dans la nuit. On a quitté Lyon à minuit. Et nous sommes arrivés à Paris dans les 6 heures moins. On est arrivé à Paris dans les 6 heures moins. Donc 5 heures quelque chose. Donc on a fait toute la nuit on était sur la route. Alléluia. Donc, ce sacrifice, c'est pourquoi? C'est pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Donc, Paris, Paris, Dieu vous a envoyé un prophète de plus. Je sais qu'il y a les prophètes à Paris, donc Dieu vous a envoyé un prophète de plus. Alléluia. Un prophète des nations. Donc, quelle qu'en soit ta nation, quel qu'en soit le pays où tu, de ton origine, l'origine de ton pays, je t'invite à nos cultes dominicaux tous les dimanches à partir de 12h30. À partir de 12h30, je t'invite à nos cultes dominicaux. Je ne sais pas s'il y a la Grèce de... Je vais un peu chercher s'il y a la Grèce là. Un instant, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît.
Parce que la graisse, là, c'est maman patience qui retient ça. Moi, je n'ai pas ça en tête. Alléluia. Laissez-moi vous donner la graisse. Amen. La graisse, c'est 133 route de la Reine, Boulogne-Billancourt, 9200. Alléluia. 9200. Ça, c'est la graisse. 133 route de la Reine, Boulogne-Billancourt, 9200. Donc, tous ceux qui sont à Paris et dans les banlieues parisiennes, nous vous invitons tous les dimanches à partir de 12h30. Donc, 12h30, c'est l'heure que nous commençons les cultes. Donc, 12h30, on commence avec l'adoration, on commence avec les cultes. Après, enseignement de la parole, après, on entre dans les témoignages, après, prophétie. Quel qu'en soit ton problème, s'il te plaît, je t'invite à nos cultes. Sois connecté à nos cultes dominicaux. Alléluia. Et le Seigneur te fera du bien. Le Seigneur va te localiser. Et Dieu va t'accorder la grâce de la restauration. Alléluia. Donc, vraiment, si vous êtes à Paris, on a quoi? Puis là, je vais prier pour quelqu'un. J'ai un sujet de prière. J'ai quelqu'un au nom de quoi? Au nom de Pélagie. Non, Bokiela Pélagie qui dit, Bokiela Pélagie qui dit prophète, qui dit prier pour mes pieds, ça ne va pas. Je prie pour tes pieds, Pélagie, je prie pour tes pieds au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit le lieu où tu es, mets la main sur ton pied. Je prie et je déclare que le Seigneur, que tu es restauré maintenant par la puissance de Dieu. Que la main forte de Dieu descende sur tes pieds maintenant. Quel qu'en soit ce qui était sur tes pieds, je prie pour ta restauration. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Et qu'à partir de maintenant, cette douleur parte. Je chasse cette douleur de tes pieds au nom de Jésus. Alléluia. Tu es restauré. Amen. Tu es restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. OK. Donc, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Nous vous attendons tous les dimanches. Vraiment, si vous êtes à Paris, si vous êtes dans les banlieues parisiennes, et vous manquez à nos cultes, vraiment, vous êtes dans l'erreur. Je vous dis la vérité. Le monsieur qui avait été localisé dimanche passé, il ne savait pas ce qui devait se passer. Mais Dieu l'a parlé, bien-aimé. Donc, quel qu'en soit le lieu où vous êtes à Paris, les moyens de transport sont très faciles à Paris. Nous sommes quand même à la capitale de la France. Donc, il y a le métro, le tramway, le bus, les taxis, même les UB. Vous appelez ça là-bas à Paris, comment c'est les UB, quoi là? Alléluia. Ou c'est les H, ou c'est les quoi. Il y a tellement de moyens de transport à Paris que si vous êtes à Paris et vous manquez au culte, vous restez à la maison, soi-disant, non, c'est loin. Vous allez dire quoi de moi et maman Patience qui voyageons de Lyon pour venir d'une ville à une autre, pour venir juste vous donner culte et rentrer. Alléluia. Donc, nous vous invitons tous les dimanches à partir de 12h30, on commence les cultes. Avant, c'était 13h00, maintenant on a renvoyé à 12h30. Alléluia. Donc, 12h30, on commence les cultes. Et pour ne pas être là en retard, quitte de chez toi. Si tu sais que tu es loin, quitte de chez toi même à 10h, même à 10h50, 10h40, ou alors même 10h30. Quitte déjà ta maison. Parce que le dimanche, tu dois consacrer ton dimanche à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Et pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse. Et je vous invite aussi pour la prophétie ce soir, pendant que vous êtes connectés, que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Voilà, je vous aime et shalom, shalom. Je voulais aussi dire que l'huile d'autorité est disponible. Tous ceux qui en ont besoin, vous pouvez nous faire part. Que Dieu, et c'est gratuit. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Shalom, shalom, shalom.